Difficile, non, parce que on s'entraîne tous les jours et puis on est sur le pont, on est toujours prêt à arriver pour le match. Hein. Le week-end dernier, bon, tout le monde a connu la chose, mais on était prêt pour jouer. Après, non, c'est pas difficile, c'est juste un peu chiant. Mais on n'est pas les seuls, il y a tellement d'autres clubs, donc on va pas se morfondre sur notre sort à nous. Certes, on a eu deux matchs en moins. Mais on va essayer de. On espère déjà que ce week-end ça va se jouer et puis on verra bien. Écoute, je pense quand même que ce sera un bon match. Les deux équipes ont envie de jouer en tout cas. Et c'est une certitude. Après, on connaît aussi Clermont-Ferrand, on connaît cette ville, ce stade. Il y a une très grosse ferveur là-bas, c'est un très joli stade. Une grosse équipe de Clermont-Ferrand qui fait quand même une belle partie de saison avec quand même. Un alignement en touche qui est bon, qui est conquérant, des mauls portés, c'est pareil. Hein. Et puis derrière, ils ont de très bons joueurs. Donc globalement, c'est une très grosse équipe. Donc on s'attend tout simplement à un gros match. Quand tu loupes des matchs, quand il y a des trucs comme ça qui sont toujours un peu chiants. Il y avait eu ce carton rouge à l'après-match contre Bordeaux ici. Donc je l'avais su un jour ou deux après, je ne sais plus. Ça c'est un regret, c'est une faute qui est bête, c'est les petites erreurs que je te parle qui sont bêtes et qui sont à corriger parce que bon, j'avais jamais eu l'intention de faire mal, mais voilà, t'es pris. Et puis après il y a la blessure contre les Blacks, voilà, ça fait partie du sport. J'ai quand même la chance de jouer ici, d'avoir pu être en équipe de France aussi, donc je vais pas me plaindre sur des matchs qui ont été loupés. On a remporté le top 14, qui était vachement important pour moi aussi, donc ça me convient très bien et je me plains pas du tout. C'est une proposition qui a été faite entre le club et moi-même, donc quand j'ai eu cette proposition, je me voyais pas dire non, parce que même si ça aurait été plus, peut-être que j'aurais signé plus. C'est pas possible, j'en sais rien. Mais non, j'y suis très bien ici, j'ai la famille qui est pas très très loin, donc. Le choix a été très rapide. Très heureux de continuer ici. Le club a un beau projet aussi par la suite. Il y a plein de jeunes. J'ai l'impression normalement que d'autres joueurs vont rester ici aussi. Donc tout le monde a envie de continuer. On a envie de passer encore de très bons moments tous ensemble. Chaque joueur qui reste ici, ouais, j'ai l'impression que c'est pour vivre quand même de belles histoires. Alors après, on va pas s'emballer, peut-être que dans 2 ans, tout se casse la tête. Et puis voilà, je touche du bois, j'espère pas. Et j'espère enfin, en tout cas, on fera tout pour que ça continue bien. Mais bien sûr que tout le monde a envie de continuer à avoir cette ambiance et de prendre ce plaisir que l'on prend chaque week-end, chaque semaine pour s'entraîner. Ça parle plus à certains qu'à d'autres, parce qu'il y en a qui étaient peut-être pas nés, je crois. Mais non, bien sûr, on connaît l'histoire du club. Et bien sûr qu'on a envie d'essayer de faire un petit peu pareil. Alors après, ben, aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes qui sont là pour te mettre des bâtons dans les roues et c'est très compliqué. On connaît le championnat, que ce soit sur la compétition européenne ou du top 14. C'est très compliqué chaque année et le niveau se monte chaque fois. Ouais. Sincèrement, après, c'est pas moi qui dois penser tout ça, mais le Covid en soi va gêner tout le monde, va gêner le top 14, la Coupe d'Europe. Enfin, ça a déjà gêné le top 14. Ça a déjà gêné la Coupe d'Europe, ça commence à être un petit peu chiant, et ça sera pareil pour le tournoi, c'est une évidence. Après, ça va tellement vite, des fois d'une semaine à l'autre, il y a tout qui change, il y a tout qui revient, on verra bien. Des fois, on fait 2 pas en avançant, on en fait 3 en reculant, on verra, j'en sais rien. J'espère pas, j'espère qu'on prendra surtout du plaisir et qu'on donnera du plaisir. Ça, je sais pas, peut-être que Jérôme, que le staff nous ont préparé un petit repas sympa, mais. Voilà, autrement, c'est pas ce match-là, on savait très bien qu'il allait être là. On le sait depuis août ou septembre, donc c'est comme ça. On va être tous ensemble, voilà.